Vous vous rappelez, notre first lady Farida a dit qu'elle voulait essayer les deux lèvres, 55 extrêmes et 55 efficacité exceptionnelle, pour voir la différence entre les deux et nous revenir avec son expérience. Donc, nous allons suivre sa vidéo où elle nous parlait des deux lèvres. Mais avant, j'aimerais vous montrer un peu à quoi ressemble un groupage. Et à la fin de la vidéo de Farida, on va également revoir une vidéo où je parle encore du groupage pour mieux vous expliquer. Donc voilà l'exemple d'un colis groupé. Bon, j'ai caché le nom. Donc si j'enlève, là, vous allez voir le nom des personnes qui vont bénéficier de ces colis. Les colis partent au Bénin. Le colis part au Bénin. Et là, il y a trois personnes dans le même colis. Et vous voyez, à toute la discrétion, aucune d'elles ne sait ce que l'autre a commandé. Donc, c'est vraiment sécurisé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand tout est emballé. Donc, les trois colis sont déjà dans le carton. Et chacun pourra reconnaître son colis facilement. Bonjour tout le monde. Coucou Rekiat. Farida de retour. J'utilise quelle lotion en ce moment? J'ai utilisé presque un an l'efficacité extrême. Oui. Il y avait presque 2 mois et demi. J'ai décidé de tester l'efficacité exceptionnelle. Et pour vous dire quelle est la différence entre les deux. Moi, je dis, vous pouvez y aller. Là où ça vous arrange, il n'y a pas de grande différence entre les deux produits. Les deux sont efficaces et réparent la peau, entretiennent le teint, gardent le teint. J'ai pu constater deux petites différences. L'efficacité extrême est un peu plus hydratante que l'efficacité exceptionnelle. Et le deuxième point, c'est l'odeur. Je trouve l'odeur de l'efficacité extrême un peu plus fort que l'efficacité exceptionnelle. C'est pour ça que j'ai choisi de retourner vers l'efficacité exceptionnelle. Alors que j'ai bien aimé l'efficacité extrême, à cause de l'odeur, je m'en vais vers l'efficacité exceptionnelle. C'est tout. C'est la petite différence entre les deux. J'aime bien les deux produits. Si des fois je suis paresseuse de me pomader, j'utilise Jergens. Je reviens vers l'efficacité, vers 55H+. Rien ne change sur ma peau. C'est ça que j'aime bien à ces deux produits. Là, je parle seulement aussi si on l'utilise seul. Si vous l'utilisez seul, ça ne va pas vous éclaircir. Ça va garder votre teint, ça va vous hydrater la peau. Waouh! C'est ça que j'aime bien à ces deux produits. Oui. Mais en ce moment, j'ai constaté aussi de l'utiliser avec le vitamine E. Les deux combinaisons sont merveilleux. J'aime bien l'efficacité exceptionnelle avec le vitamine E. Actuellement, this is my number one. J'aime bien les deux. Comme ça. Ça hydrate la peau, ça protège la peau. La peau, actuellement, j'ai l'impression que j'ai la peau d'un enfant de 10 ans, c'est bien. Waouh! Oui, c'est tout. Vous pouvez y aller là où ça vous arrange. Les deux, il n'y a pas de compte différent. Ils sont merveilleux. Bon. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Rakiat, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci et merci. N'appelez pas. Si vous avez un problème de peau, allez-y vers la dame Rakiat White. Elle va vous conseiller d'acheter chez elle. Elle va vous conseiller des bons produits. Et elle va vous suivre. Elle va suivre votre traitement jusqu'à. Merci et je dis à plus. Au revoir.
Bye bye. Donc concrètement, comment ça devrait se passer? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut absolument passer la commande dans, sur le site internet www.rikiawa.com. Pour quelle raison? Parce que en passant la commande directement sur le site, ça calcule le montant de l'expédition que vous êtes censé payer. Donc, à partir de là, vous choisissez de payer offline. Vous choisissez de payer offline. Comme ça, ça me permet de collecter les informations que vous avez et en même temps de savoir exactement quel était le montant de l'expédition que vous étiez censé payer. Et s'il y a les commandes qui partent dans le même sens que le vôtre, qui partent dans le même pays que le vôtre ou bien la même ville, on les regroupe ensemble et comme ça j'évalue les frais de l'expédition du colis total et je divise parmi les personnes qui sont dans le même groupe quoi. Et vous allez ainsi recevoir chaque personne le montant qu'il est censé payer. Évidemment, si votre colis est celui qui pèse le plus, c'est normal que vous payiez aussi un peu plus que les autres. Donc, les frais d'expédition ne seront pas les mêmes que vous allez payer par rapport à ce que vous avez vu sur le site, par exemple. Si, par exemple, ça vous dit que vous allez payer 60$, il peut arriver que vous payiez simplement 20$ s'il y a plusieurs personnes dans votre groupe. Et quand ça arrive, on va expédier ça au nom d'une seule personne. Et la personne va vous donner ses coordonnées. Moi, je vais vous donner aussi ses coordonnées et tout. Et en même temps, vous allez recevoir, tout le monde va recevoir le tracking number qui vous permet de suivre le colis en ligne vous-même. Et quand le colis arrive, moi je souhaite que au moins deux personnes aillent retirer le colis, au minimum. Sinon, si tout le monde peut aller, ce serait bien, chacun récupère son colis. Mais tous les colis seront scellés, donc la personne même qui reçoit le colis ne saura pas ce que les gens qui sont dans le colis ont reçu quoi. Donc ce sera à chacun d'ouvrir son colis lui-même, sauf si la douane ouvre, parce que parfois avec les pays africains on ne peut pas toujours savoir ce que la douane va faire. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait au moins deux personnes à la réception du colis, et aussi parce que s'il y a des frais complémentaires à payer là-bas, parce que parfois on vous demande de payer des frais supplémentaires, qu'il y ait des témoins aussi et que la personne puisse informer les autres, que ça ne soit pas seulement sur sa tête qu'on va dire que oh, tu as dit ceci, tu as dit cela, ce n'est pas ce que Rikia t'avait dit, etc., etc. Donc c'est un peu pour plus de transparence et plus de sécurité pour le courrier de chaque personne. Donc voilà, en tout cas, on est toujours en train de travailler sur cette option, hein. Donc si vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas.